Salut à tous, alors je vous ai déjà fait deux vidéos autour des nouveaux MacBook Pro M1 Pro M1 Mac, je vous les remets en fiche. La première, elle était dédiée aux nouveautés, voilà, l'écran, la connectique, etc. On parle vraiment en détail de la machine. La deuxième, elle était vraiment axée uniquement autour des performances avec plein de comparatifs entre différents modèles. Aujourd'hui, je vous propose une dernière vidéo axée sur le modèle le plus haut de gamme, le 16 pouces M1 Max, toute option avec 32 cœurs GPU, 64 Go de RAM, 8 Teraoctets de SSD. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter cette machine? Est-ce qu'il y a des grosses différences de performance? C'est ce qu'on va aller voir dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette machine, je l'utilise donc depuis plusieurs mois. Il a remplacé mon MacBook Pro Core i9 Intel. Alors, moi, j'ai un usage quand même assez complet. C'est-à-dire que je fais de la musique, je fais du montage vidéo assez lourd, de la bureautique, de la programmation, du graphisme. J'ai aussi plein de docks, de SSD, d'écran externe, d'IGP. La plupart de mes applications, heureusement, sont optimisées M1. Elles fonctionnent assez bien ici sous Rosetta, l'émulateur Intel. Mais il me manque par exemple encore quelques plugins pour Final Cut Pro, en musique aussi. Mais je dirais que le plus gros manque, c'est quand même Windows. Alors, pas que pour les jeux, même si j'aime bien jouer à StarCraft 2, à GTA, GTA qui n'est pas disponible sur Mac. Mais il y a aussi certaines applications, par exemple 3ds Max, Citrix qui ne fonctionne pas sous Rosetta. Hein, ou alors Vue, un logiciel de 3D que j'aime beaucoup. Et bien là, j'ai pas de solution. C'est-à-dire que c'est bloquant, ces programmes, je ne peux pas les utiliser avec cette machine. Je suis obligé d'utiliser des Mac Intel. Alors, le plus gros toute cette machine, je dirais que c'est vraiment la réactivité. C'est-à-dire qu'Apple a fait énormément d'optimisation, ce qui fait que vous n'avez jamais les interfaces qui rament, la petite roue qui se met en route, c'est quand même relativement rare. Et surtout, vraiment, j'insiste là-dessus, le silence. Alors ça, c'est vrai que j'y croyais pas beaucoup, même relié là, mon écran 6K XDR, je fais un export Final Cut, je suis sous Photoshop, en plus, j'ai aucun ventilateur qui s'affole, j'ai rien qui rame à l'écran. Je vous garantis que ça change vraiment la vie. Par contre, c'est vrai que voilà, si vous voulez le pousser vraiment, vous lancez par exemple un jeu sous Rosetta, hein, c'est gourmand en CPU et GPU combiné, bah là, on l'a vu, ça passe les 40 degrés, vous avez les ventilateurs qui commencent à être audibles, donc voilà, c'est pas une machine non plus complètement silencieuse, hein, vous pouvez quand même la pousser, mais je dirais que globalement, même en faisant du gros montage vidéo, c'est très très rare que j'entende les ventilateurs tourner. Alors les amis, est-ce que vous saviez qu'en France, on utilise des mots de passe tellement simples que 80 sur 200 peuvent être piratés en moins d'une seconde? Alors plutôt que de vous faire voler vos comptes, il serait plus judicieux d'utiliser un gestionnaire de mots de passe comme NordPass, qui est notre sponsor cette semaine. Alors comment ça marche? NordPass stocke vos mots de passe à un seul endroit et vous n'avez donc plus qu'un seul mot de passe à retenir, si évidemment chiffre sécurisé et le programme est traduit en français, personne ne peut voir vos données, pas même l'équipe de NordPass. En plus, NordPass utilise le remplissage automatique, vous n'avez jamais à taper les mots de passe à la main, vous pouvez même stocker vos numéros de carte de crédit, adresse de livraison, bref, tout ce qui est demandé à être protégé du mieux possible. Ça permet par exemple de gagner du temps quand vous faites du shopping en ligne et toutes les données demandées sont remplies automatiquement. Alors NordPass vous permet aussi de savoir si vos mots de passe ont été piratés et propose ainsi de les modifier. Et pas la peine là non plus de créer des mots de passe complexes puisque c'est NordPass qui s'en chargera. Bref, avec ce système, vous avez non seulement des mots de passe ultra sécurisé sur 6 appareils en même temps, mais surtout vous n'avez plus besoin du tout de les retenir. Alors à l'occasion de ce partenariat, Mac Forever vous offre donc 70% de réduction sur NordPass avec le petit code qui s'affiche là juste en bas. Je vous ai mis aussi bien sûr un petit lien sous la vidéo et puis si jamais vous n'êtes pas satisfait, eh ben vous êtes remboursé sous 30 jours. Voilà les amis, tout est bien sûr sous la vidéo. Alors on va commencer par parler d'autonomie, parce que voilà, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit « Ouais, mais est-ce que le M1 Max il consomme plus que l'autre? Est-ce que j'ai moins d'autonomie ?» Alors j'ai fait des petits tests, et regardez ici dans mes tests vidéo, je perds une demi-heure, donc c'est pas grand-chose, mais c'est quand même une demi-heure, et je perds quand même une heure sur de la bureautique, hein, en étant uniquement sous Safari. Donc je précise, mes tests, j'ai fait toujours l'écran à fond, voilà, pas comme Apple hein, qui fait l'écran au mini, donc forcément là, vous consommez beaucoup moins. Et en fait, l'écran, c'est une grosse source de consommation, donc là, on est quand même mieux qu'Intel, on est toujours une à deux heures de plus qu'Intel, mais vous voyez que la différence quand même n'est pas si énorme. Et pour autant, en fait, je trouve quand même l'autonomie assez incroyable sur ces machines. Je vais vous dire pourquoi, parce que quand je fais du Final Cut maintenant, je tiens largement une demi-journée. Avant, je tenais même pas une demi-journée, hein. Il fallait que je charge au milieu de la matinée. Là, vous pouvez tenir quasiment 4 heures en faisant du montage vidéo, ce qui est quand même assez fabuleux. Et puis, je dirais que si vous faites que de la bureautique, vraiment que des petites choses, elle tient à peu près la journée. Des fois, il faut quand même la charger en fin de journée. Donc là encore, c'est quand même un gros gap en termes d'autonomie, dans tous les cas, même si vous prenez cette version M1 Max. Alors maintenant, on va parler des SSD, puisque là-dedans, on a pris donc la version 8 Tera. Alors pourquoi 8 Tera? Pourquoi des gens choisissent ça? Bah, pour tous ceux qui stockent beaucoup en local, qui stockent voilà, des rushs, de la photo, de la musique. Donc pour moi, c'est assez important d'avoir un peu toutes mes données au même endroit et pour pouvoir les backuper aussi dans différents endroits. Donc je trouve ça assez utile. Je fais aussi beaucoup de montage en local, surtout depuis que voilà, on est passé sur ARM et qu'on a des contrôleurs USB-C qui sont pas très bons. Vous l'avez vu, hein, on est 30 à 40% plus lent que ceux d'Intel. Donc quand vous montez sur des SSD externes USB-C, bah, c'est plus lent. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus réactif sur le disque interne.
Par contre, il y a aussi des problèmes quand vous faites ça, c'est-à-dire que par exemple, c'est compliqué de sauvegarder vos 8 Tera, si vous voulez un SSD externe de 8 Tera, c'est encore rare et cher. J'ai aussi eu des petits soucis, par exemple, regardez ici, mon Tera n'arrive pas à me faire l'indexation de mon disque. Alors c'est vrai que j'ai 6 Tera à peu près de données, bah, regardez, il est bloqué aux 2/3, là ça fait quand même plusieurs semaines que ça dure, je sais pas comment faire, j'ai essayé de le relancer, mais ça ne fonctionne pas. Et puis dernier point aussi, j'ai eu des soucis pour formater des SSD externes USB-C, alors que ça marchait très bien sous Intel. Donc voilà, c'est des petites choses, mais l'air de rien, moi je trouve que Apple n'est pas encore tout à fait au point au niveau de ses contrôleurs USB-C. Heureusement, le disque interne, lui, a l'air quand même de bien fonctionner, il est quand même super rapide, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Alors maintenant, on va parler donc des performances de ce disque à 8 Tera, et voyez qu'on atteint enfin les débits que nous a promis Apple à la keynote, donc on est un petit peu en dessous des 7,5 Go/s. Attention que en lecture, puisque regardez, en écriture, on est à 5700, mais dans tous les cas, ça reste quand même 1,5 à 2 Go/s de plus que les autres M1 Pro, vous voyez que c'est quand même pas mal, donc il faut vraiment prendre ce gros disque pour avoir ses hauts débits. Alors est-ce qu'on voit vraiment la différence par rapport par exemple aux machines Intel d'avant qui étaient à 2-3 Go/s? Bah ça dépend ce que vous faites, mais effectivement sur des marchés un petit peu de niche, quand vous faites de la copie, du multicam avec des gros fichiers RAW, enfin vraiment il y a des usages très spécifiques qui requièrent effectivement des très hauts débits, mais voilà, si vous en avez pas l'usage, vous le savez en général comme je le dis souvent. Alors sur la partie CPU, je dirais que c'est le plus frustrant sur cette machine qui coûte presque 7000 €, mais on a le même CPU qu'une machine à 2500 €. Voilà, donc moi je trouve ça quand même un peu frustrant. Alors je vous rappelle, donc on a un CPU donc qui est à 3,2 GHz qui peut descendre à 3 GHz. Voilà, si la température augmente, mais heureusement, il descend pas à 1 GHz hein, comme chez Intel. Il est constitué donc de deux clusters de 4 cœurs chacun avec 12 mégas de cache, donc 24 mégas pour le M1 Pro, 48 pour le M1 Max, et puis on a deux cœurs donc économes avec 4 mégas de cache et eux qui sont à 2 GHz. Voilà pour les spécifications de la puce. Alors pour faire nos tests, on a évidemment activé le mode performance qui est exclusif donc au 16 pouces M1 Max. Alors ça va pas booster les fréquences, ça va pas monter à 5 GHz, mais ça va permettre de les maintenir plus longtemps, de mettre un petit peu plus de ventilation, de résister un petit peu mieux à la chaleur. Forcément, la machine risque de faire un petit peu plus de bruit. Alors très honnêtement, ça se voit pas du tout dans les logiciels de bench comme ici avec Geekbench qui fait plein de petits calculs à la suite, hein, qui monopolise pas 100% des cœurs pendant des heures. Donc l'idée c'est que ça reste à 3,2 GHz très longtemps, mais là voilà, dans Geekbench évidemment on a les mêmes performances que par exemple un 14 pouces M1 Max. Alors sur Cinebench, où on a des calculs qui sont quand même plus longs, qui sont aussi mono-calculs, hein, c'est pas comme Geekbench qui a plein de petits calculs à la suite, et ben on devrait voir une différence, et pourtant regardez, rien du tout, hein, on a à peu près les mêmes performances. Alors je dirais que c'est assez logique, c'est-à-dire que même sur un 14 pouces M1 Max, en fait le CPU il chauffe pas tellement, il reste à 3,2 GHz, puisqu'il n'y a pas le GPU qui chauffe juste à côté, donc il arrive à bien maintenir sa température, donc en fait c'est logique et un petit peu frustrant malgré tout d'avoir les mêmes performances, même avec le mode performance activé, bon bah c'est comme ça. Alors évidemment dans la vraie vie, des fois on trouve des choses un petit peu différentes, et c'est le cas, regardez sous Logic, j'ai gagné 5 pistes, alors c'est pas ouf, mais j'arrive enfin au niveau à peu près d'un 16 pouces Intel de l'an dernier, ce qui est quand même pas trop mal. Alors Logic c'est quand même très exigeant en termes de maintien des fréquences, ça demande aussi pas mal de puissance de calcul. En fait finalement ce qu'il faut retenir sur cette partie CPU, c'est que voilà, cette machine elle apporte quasiment rien par rapport même à un M1 Pro à 10 cœurs qui a pourtant moins de cache, ou même un M1 Max de base. Je dirais que la différence elle va peut-être se faire sur la chauffe, effectivement, si vous avez des gros cœurs graphiques à côté, vous avez vraiment beaucoup de puissance qui est demandée, par exemple dans les jeux, on va le voir juste après, bah, la machine peut chauffer un petit peu plus vite, donc on peut avoir plus de tolérance par exemple sur ce 16 pouces, mais c'est très difficile de voir vraiment des différences sur la partie purement CPU entre cette machine et toutes les machines à 10 cœurs. Alors maintenant on va parler de ce Media Engine, vous savez cette petite unité de décodage vidéo qui était déjà présente hein, sur les puces Intel, AMD, Nvidia, c'est pas tellement nouveau, donc on en a une sur le Pro, deux sur le Max, c'est optimisé pour les formats courants, H.264, H.265, ProRes. Alors ici regardez, on a les mêmes performances que sur un M1 Max de base, c'est logique, en fait il n'y a pas d'intérêt à prendre cette machine haut de gamme, mais ça reste dingue, hein. Regardez pour le ProRes, on divise par 3,5 les temps d'encodage, pour le H.264, voilà, on divise par 2 par rapport à la puce Intel qui était quand même déjà très performante, et regardez sous première, hein, j'ai à peu près les mêmes résultats, puisque entre les différents M1 Max, on n'a pas de différence majeure, mais c'est logique, en fait la différence se fait plutôt entre le Pro et le Max que logiquement entre deux machines Max. Alors premier test théorique hein, avec Geekbench Metal, alors vous voyez ici on gagne 15% par rapport aux 24 cœurs, donc c'est un petit peu en dessous des 33% qu'on aurait pu espérer avec 8 cœurs de plus, mais c'est déjà pas mal. Notre version 32 cœurs, donc elle est bien au-dessus de la 5700 XT de bureau, hein, quand même une carte assez puissante qui était proposée donc sur l'iMac depuis quelques temps. On est toujours deux fois plus rapide que le M1 Pro hein, qui est donc l'équivalent d'une 580X de bureau, ce qu'on avait quand même dans un IGPU Blackmagic que j'avais hein, sur la version Intel par exemple. Alors sous Luxmark, c'est encore un petit peu plus
plus décevant, puisque regardez, le bon par rapport au 24 coeurs, il est que de 10-12%. Là encore, c'est un petit peu décevant. Je sais pas pourquoi. Est-ce que Luxmark est pas capable de gérer tous les coeurs, ou est-ce que effectivement les performances s'effondrent un petit peu? Est-ce que Apple baisse ses fréquences? En tout cas, là, c'est vrai que sur un test comme ça, bon, on en a pas trop pour son argent. Alors, bien sûr, je vous ai fait des tests pratiques. On va commencer par les jeux. Alors, les jeux, ils sont pas natifs sur cette machine, donc toute la partie CPU est encore émulée. Mais voilà, en général, les appels à métal, eux, sont natifs. Donc, on va dire que les performances sont à peu près natives. Regardez ici sur Tomb Raider, donc un vieux jeu hein, qui fait jeu égal avec la Vega 2 Duo, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, regardez, le gain, il est que de 8% hein, face aux 24 coeurs, donc là c'est pas énorme, je m'attendais quand même à beaucoup plus sur un jeu comme ça. Par contre, j'ai pris un autre jeu, Shadow of the Tomb Raider, qui lui aussi a quelques années. Là, on est à l'équivalent de la 5700 XT, donc c'est vraiment pas mal hein, une grosse carte de bureau sur Mac qui est encore présente dans les derniers iMac, et on a plus 25% face aux 24 coeurs. Là, on gagne quand même pas mal de performance, on est plus proche des 33% attendus. Alors, dernier jeu que j'ai testé, c'est Deus Ex. Regardez, on gagne 17% par rapport aux 24 coeurs. On est l'équivalent d'une 5700 XT, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ça fait quand même des bonnes performances, mais on est quand même un petit peu en dessous de ce qu'on pouvait espérer. En fait, les gains, ils varient beaucoup hein, entre 10 et 25% dans les gros jeux. C'est assez disparate, c'est lié à beaucoup de choses, à la puissance qui est demandée en termes de CPU, à la chauffe de la machine, voilà, qui va ajuster un petit peu ses fréquences. Et puis, bien sûr, là, on n'a pas des jeux qui sont 100% natifs, donc je pense que ça va quand même aussi bouger un petit peu ces prochaines années. Mais là, pour l'instant, on a un petit peu que ça pour tester. Alors, dans les applications professionnelles qui, elles, sont natives, vous allez voir que les gains varient énormément. Par exemple, ici dans Resolve, on a 25% de temps de calcul sur un effet grain de film là, qui fait beaucoup appel au GPU. Donc voilà, Resolve, surtout la dernière version, là, elle est vraiment ultra optimisée pour les M1 Max. Donc on en profite pas mal. Contrairement à Final Cut, regardez, Final Cut, oui, il est très optimisé, mais regardez, entre les différents GPU, ben, on n'a aucune différence en fait entre, par exemple, les deux M1 Max. Là, j'ai vraiment même pas gagné une seconde, et déjà qu'on n'en gagnait pas beaucoup entre le Pro et le Max. Donc ça varie quand même beaucoup en fonction des optimisations des éditeurs. Alors, dernier test avec After Effects sur un effet de flou, bah, vous voyez que là, on gagne à peine 5%, donc c'est déjà ça, mais c'est quand même pas énorme par rapport au potentiel de la carte. Alors, est-ce que ça vaut le coup donc de mettre 200€ de plus pour passer de 24 à 32 coeurs? Bon, vu le prix de la machine, on peut se dire que oui, puisqu'on sait qu'on va avoir les meilleures performances, mais par exemple, si vous parlez uniquement d'encodage, ça vaut pas le coup. Si vous parlez de 3D temps réel, oui, ça vaut le coup. Là, on l'a vu sur les jeux, on gagne quand même pas mal, même si ça dépend un petit peu des optimisations. Alors, quand je parle de jeux, je parle de 3D temps réel, hein, si vous faites du développement Unity, par exemple, des jeux pour iPad, et ben là, vous allez quand même avoir des gains assez notables. Et puis, dernier point pour le GPGPU, hein, le calcul déporté, par exemple Final Cut, Resolve, etc. Bah, ça dépend des optimisations. On va dire que le potentiel est là, on l'a vu avec Resolve, mais si c'est pas bien optimisé, finalement, on n'en a pas forcément pour son argent. Donc voilà, si vous hésitez, si vous êtes vraiment ric-rac en termes de budget, ça vaut peut-être pas forcément le coup, peut-être que le 24 coeurs suffit. Si vous êtes un professionnel, que vous avez déjà une machine très chère, évidemment 200€ sur une machine à 5 ou 6000€, ça fait pas grand-chose. Alors, un petit mot sur la mémoire, est-ce qu'il faut mieux 16, 32, 64 Go? Bon, déjà avec le M1 Max, vous êtes obligé de prendre 32 Go. Bon, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose, puisque la plupart des applications professionnelles, bah, 16 Go, on arrive à les saturer. Surtout si vous avez des écrans externes et tout, n'oubliez pas que c'est de la mémoire combinée, hein, donc c'est vidéo plus RAM. Donc 16 Go, si vous avez pas mal d'écrans, vous avez plein de plugins, vous avez plein d'applications lancées, vous les saturez rapidement. Donc 32 Go, je dirais que c'est une bonne moyenne pour ces machines. C'est le plus polyvalent, c'est le plus pérenne, c'est bien aussi pour la revente, hein, pensez-y aussi. Les 64 Go, c'est vraiment très spécifique, moi je les ai jamais saturés, mais si vous avez plein de plugins audio très gourmands, Pro Tools, vous pouvez charger par exemple tout le projet en mémoire pour pas que ça rame. Vous avez des calculs GPU professionnels, par exemple de l'analyse d'image, des lidars, vous avez besoin de charger plein de textures en mémoire, donc ça c'est assez utile d'en avoir beaucoup. N'oubliez pas que sur les Mac Pro, on peut monter jusqu'à 1,5 Teraoctets de RAM, donc voilà, si certains professionnels ont ces besoins, imaginez 64 Go, ça va leur paraître vraiment rikiki. Donc vraiment, 64 Go, je dirais que ceux qui en ont vraiment besoin aujourd'hui le savent. Alors, pour conclure, est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette machine qui est la plus puissante jamais produite par Apple? Bah, je dirais que sur la partie CPU, je suis un peu mitigé. Effectivement, là-dessus, on a le même CPU que sur une machine à 2500 balles. Donc voilà, c'est un petit peu frustrant. On a aussi des performances qui sont équivalentes au Core i9 d'il y a 2 ans d'Intel. Donc là encore, en termes de performance brute, même si c'est plus silencieux, même si ça consomme moins d'énergie, même si l'autonomie est meilleure, en termes de perf, on gagne pas forcément grand-chose. On l'a vu par exemple dans l'audio. Bon, voilà, ça dépend un petit peu de vos critères. On est toujours moins puissant quand même qu'un gros Mac Pro avec plein de cœurs, mais ça dépend. Par exemple, si vous faites de l'encodage, regardez ici, on est à 2 à 5 fois plus rapide qu'Intel, donc ça peut valoir le coup si vous faites beaucoup d'encodage d'acheter ces machines par exemple. Sur la partie graphique, alors là, le gain entre le 24 et le 32 coeurs, on l'a vu, il est pas ouf. Donc si vous êtes vraiment ric-rac en budget, vous hésitiez énormément, franchement, ça vaut pas forcément le coup. Mettez plutôt de l'argent dans le SSD ou dans la mémoire par exemple. Par contre, entre un M1 Pro et un M1 Max, là on va doubler les performances, donc effectivement, là ça vaut le coup hein, de passer au M1 Max pour la partie GPU. Mais attention quand même, c'est-à-dire que c'est une machine, vous ne pourrez pas booster le GPU comme avant avec un GPU externe, avec plusieurs GPU externes, vous ne pourrez pas en faire une vraie grosse station de travail comme on pouvait le faire avant, puisque effectivement les cartes graphiques évoluent et on pourrait imaginer
voilà, booster un petit peu les performances. Là, ce sera plus le cas. Donc voilà, une bécane, je dirais, qui correspond quand même à plein d'usages du Mac, hein, aussi bien en audio, en montage, en développement, même développement de jeux vidéo, mais qui a ses limites aussi. Apple les a fixées. Donc voilà, soit ça vous convient, soit ça vous convient pas. En tout cas, j'espère que tous ces tests que je vous ai faits vous auront aidé à choisir. Voilà les amis, pour toutes ces vidéos autour des MacBook Pro, M1 Pro, M1 Mac, j'espère avoir été le plus complet possible, avoir fait le plus de tests pour vous aider bien sûr à choisir. En tout cas, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. En attendant, on like, on s'abonne à la chaîne, vous êtes 100 000, hein, on a passé le cap là il y a quelques jours, donc c'est vraiment très cool. Merci à tous, bien sûr je vous encourage à télécharger aussi nos applications mobiles, à aller voir notre nouveau site, à s'inscrire au mode VIP, puisque vous pouvez soutenir la chaîne directement en participant à ce statut VIP. Et puis bah, nous on se retrouve d'ici Noël avec plein de vidéo, je vous ai prévu plein de petits tests de voitures et tout, des petites surprises. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et nous on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.